pour la nouvelle conversation de l'émission Lecture sur MM Radio. Nous invitons Olivier Maillot, directeur associé d'un cabinet de conseil et de formation, à creuser le sujet de son ouvrage intitulé « L'art de gérer les conflits », un tout premier livre pratique et visuel qui a pour objectif de nous guider à travers, non seulement toute forme de conflit, en famille, au travail comme dans la rue, mais de nous mettre à la place des autres, tout autant éviter de fuir les conflits lorsque l'on souhaite mieux évoluer avec les autres, également un livre qui nous permet de connaître nos droits quand la limite s'apprête à être franchie. En voici un extrait. Responsabiliser aussi, oui, peut-être les personnes. C'est se dire ton action a un impact. Mmh. Et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je suis pas compétent pour le dire, bien mais sûr. Si on te dit que tu as 0,0001 ou 0,1% ou 1% ou 10% de ne pas me faire tomber quelqu'un malade, c'est ça. Est-ce que tu prends? Moi, je le prends. Si par mon action, je peux aider quelqu'un de ne pas tomber malade, oui, je le fais. Mmh. Après, si c'est pas nécessaire, tant pis. Oui. Mais au moins, j'ai fait ce qui me semblait nécessaire. Exactement. Et je pense que c'est bien de revenir là-dessus. Oui. Quelle part de responsabilité j'ai dans un comportement? Mmh. Et ça, c'est vrai, on parle du masque, mais dans toutes les situations de la vie courante, mmh, dès lors que je gueule sur quelqu'un, mmh, j'ai une part de responsabilité. Et est-ce que je suis capable, mmh, d'assumer cette responsabilité, mmh, qu'on va mettre devant la conséquence, qui tout va être l'arrivée des forces de l'ordre potentiellement, la sanction parce que je suis dans un cadre professionnel, mmh, la suppression de mon contrat parce que je suis client, mmh, dans une société privée. Il y aura des conséquences. Chaque comportement a des conséquences. Écoutez cette interview pleine de ressources et d'actualités avec Olivier Maillot dès le mercredi 27 janvier sur MM Radio. À suivre, des extraits vidéo du plateau sur MM TV Productions via YouTube ainsi que nos réseaux sociaux @MasterminderENT.